Let's go, septième épisode de Let's Play sur ce très beau panorama. C'est joli, hein? C'est clair, hein? Comme il disait à l'instant, ça change des contrées glacées qu'on a eues au début du jeu. On est avec Freya, et on l'a libérée de son sortilège. Écoutez, on doit normalement rejoindre Freya. Il n'y a plus beaucoup de vie sur mon perso. On a eu un nouveau... nouvelle capacité, finalement, quelque chose qui fige le temps. J'ai aussi ça, qui est aussi une nouvelle compétence. Et on a accès maintenant à une amulette. On sera un petit épisode supplémentaire, ça va être court. Demain, on fera une grosse session, comme j'avais dit. Voilà. Alors du coup, j'étais revenu en arrière pour le panorama, mais vous voyez ici, normalement, il y a quelque chose. Ah, hop, si je fais ça... Ça, c'était quoi la touche pour l'enlever? Voilà. Il y a un truc qui me tire dessus, normalement. Mais si je fais ça, je fige l'ennemi. Qui me tire plus dessus. La démo était très nulle. J'ai très totalement raté ma démo. Mais vous avez compris quoi. Ah, mais il y en a d'autres là. Ouh là là. Tu ne pourras pas les endommager sans détruire la mer. On dirait un grand bulbe. Tu ne peux pas la rater. J'ai rien trouvé la mer du coup, comme elle a dit. Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas mal. Je l'ignore. Mais c'est clairement l'œuvre des géants. Deux loups sont représentés ici. Il y a peut-être un lien avec nos amis célestes. Un mystère à résoudre plus tard. Voilà. Je sais pas si j'aurais pu... En tout cas, je peux faire quelque chose, normalement. Je risque de me faire tuer. C'est le risque, il faudrait qu'on ait regagné un petit peu de vie. Avant de faire ça. En tout cas, celle-ci est endormie à droite, donc c'est good. C'est celle à gauche. Ah non, elle est pas endormie. Hein. J'ai rien dit. Là, ça l'a endormie. Ok. Mais finalement, elle revient. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Ça lui fait rien. Est-ce qu'éventuellement avec ça... Ah ah! Voilà qui est mieux. Et normalement là c'est bon du coup. Ok ok. All good. C'est vrai que je trouve avec quoi l'utiliser. On va gagner un peu de vie. Ça va nous remettre bien. Ah non, mais c'est bon. Ça derrière moi. Bon, je vais monter, hein. Parce que là... Ah, je peux pas revenir en arrière. Je le sentais. C'est vrai que j'ai commencé avec peu de vie. Hein. Donc forcément. Vas-y. Hop. Un très mauvais démarrage d'épisode.
Il en reste un, ça. Et ça, c'était des ennemis ou pas? Ah oui, d'accord, ça, c'était des trucs... je vais me faire buter à cause de ça. Découvert aussi que ces fleurs du coup faisaient comme ça. Coutonnard. Le poison m'a mis à mal hein, dans toute cette histoire. Mais bon. C'est le temps de s'y faire. Alors du coup il y avait quoi là-bas? C'est de là dont on vient. Ok, good. Ah, j'aurais vraiment pu passer par en bas en fait. Vous avez vu? Il s'est passé tant de choses depuis que j'ai vu Freyer. Je ne sais même pas par quoi commencer. Que veux-tu de lui? Des excuses, pour commencer. Je veux lui pardonner. J'aimerais croire qu'il a changé. Il est tout ce qu'il me reste. T'es-tu jamais excusé auprès de Demos? Il est difficile de demander le pardon lorsqu'on s'en juge indigne. Comment pourrait-on traverser? Il utilise plusieurs sauts pour enchaîner les éléments jusqu'à des points difficiles à atteindre. Mes flèches sigillaires peuvent sûrement atteindre et enflammer les ronces de l'autre côté de la rivière. Okay. Ah oui, d'accord, je vois le délire. Et du coup, si on veut, on peut mettre un saut genre un peu plus près de nous. Non, je les ai pas reliés. Comme ça. Et ensuite, on fait ça. Stylé. Le pardon est un outil puissant. Stylé. Même quand il n'est pas mérité. Faye, mon épouse, me l'a appris. Estime-toi heureux d'avoir de bons souvenirs avec ton épouse. Genre, elle peut faire du poison aussi. Elle est ouf en fait. Ouais. Ah, j'ai plus là. Attends, je vais essayer. Ah, ça veut plus, je crois. Les feux follets, c'était drôle. C'est ma droite, ça, par contre. Y'a pas de soucis, frère. On a tous nos défauts. Oh, ça fait mal, hein, comme effet. C'est pas mal, hein. On est full vie. On est sauvés. On s'est rétablis de nos aventures... compliquées. Tout ce que m'a appris mon ancienne moitié, c'est qu'il n'y a pas de limite aux abysses dans lesquels une âme puisse sombrer. Il m'a poussé à l'épouser pour sauver mon royaume, mais il l'a détruit tout de même. Il a dispersé mon peuple aux quatre vents. Peut-être est-il temps que quelqu'un s'oppose à lui. Peut-être est-il temps que la prophétie de Groa se réalise. Je n'encouragerai pas la guerre. La guerre est effroyable, Kratos. Mais certaines choses sont pires. Si Atreus se précipite vers le Ragnarok,
tu ne pourras peut-être pas l'arrêter. Je le ferai. Et si tu échoues ? Je l'ai préparé à survivre sans moi, s'il le faut. Ah ! Prends garde aux plantes. Elles m'apprécient, moi, mais pas les étrangers. Oui, je vois. Attendez, attendez. Comme ça et comme ça. Et ensuite... Ah, je suis pas assez prêt. Si. Oh là là. Merveilleux. Fais-moi les malines. Technique, le coup des éléments, by the way. C'est marrant, dans cet épisode, on a des compagnons différents tout au long de l'aventure, ce qui renouvelle un peu le gameplay, beaucoup même. Et au final, on a eu plein de compagnons différents, qui avaient leurs propres effets. J'aurais bien aimé qu'elles me disent comment faire ça, mais... Que feras-tu ensuite, si tu ne prépares pas la guerre ? Je ne sais pas, mais je ne laisserai pas Atreus courir de risques. Tu dois te décider rapidement, avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Nous voilà revenus au campement. Prête. Plus que jamais. Nath ? J'y arrive pas à le croire. T'es de retour, enfin ! Oui. Fais-t'en ça. Tu vas reprendre le trône. On va tout rebâtir. Toi et moi face au monde, hein ? Comme au bon vieux temps. Je ne reste pas. Je comprends pas. Tu es ici. Ensemble, on peut reprendre ce qui nous appartient. J'ai seulement repris ce qui était à moi. J'ai encore beaucoup à faire. Tu as... vu ? Ce qui reste du royaume, non ? Comptons-nous aussi peu à tes yeux ? Tu doutes de ma loyauté ? Vanheim m'a tourné le dos à moi. Oh, tu nourris encore cette vieille rancune. Il était de mon devoir de sauver autant de nos sujets que possible. Une responsabilité que tu n'as pas prise au sérieux alors. Et à ce que je vois, cela n'a pas changé. Tu crois que tout cela m'amuse ? Nous avons tout perdu à cause de ce fou que tu appelais ton époux. La famille de cet homme m'a brûlé vif. Comment voulais-tu que je réagisse ? Comme mon frère ! Comme le garçon qui était là pour moi, quoi qu'il arrive ! Et celui que j'ai toujours soutenu, même lorsque ses choix étaient égoïstes. J'espérais que tu viendrais me chercher. Que malgré la peine et la colère, tu ne m'aurais pas abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Freya, je t'en prie, je... Je te croyais morte. J'ai dû vivre mille vies, avec les paroles horribles que je t'ai laissées. Imagines-tu ce que c'est ? Que de savoir que ton égoïsme a nui à la personne que tu aimes le plus. T'abandonner ? Oh, Freya. Je t'ai pleuré. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, une fille. Mais non, je ne me lierai pas à un autre royaume alors que je suis enfin libre.
Je t'enverrai de l'aide. Et je reviendrai. C'est promis. Tu n'es plus chez toi depuis longtemps ici. Fais ce que tu dois faire. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous avez rien de mieux à faire que de les regarder laver leur linge sale en famille. Venez, vous deux. Pas toi. J'ai deux, trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. Deuxio, c'est de la magie sigillaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique ? On fait un échange ? Très bien. Et je me demande comment ils allaient faire. Si vous ne prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini, j'avoue, les miches, hôtel. Ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus, je vous retrouve à la maison. À moins que vous vouliez que je vous bricole un truc avant. Ne t'en va pas sans moi, mon frère. J'ai fait ce que je pouvais ici. Je suis obligé de le prendre tout de suite. Mon frère, veux-tu rencontrer nos nouveaux alliés ou pouvons-nous y aller ? Tu t'es perdu ou quoi ? Attends. Oui, une quête annexe, vous avez vu ? Comment on a pu rater ça ? Qu'y a-t-il ? Ah, j'ai passé pas mal de temps à farfouiller dans le delta de la rivière. Quand l'armée d'Odin a débarqué, j'ai filé ici plus vite qu'un tas de Zolvurm avec le feu aux fesses. J'étais si pressée que j'ai accidentellement perdu quelques indispensables. Des indispensables? Enfin, surtout un, en réalité. Un orbe. Je te serais infiniment reconnaissante si tu le retrouvais. Qu'est-ce que c'est? Et si par hasard, tu tombais sur des pièces de ma bonne vieille armure rouillée, je m'en servirais pour te bricoler quelque chose de très spécial, rien que pour toi. Quel est cet orbe? Contente-toi de me le rapporter et tu illumineras ma journée. Ma journée. Oh, et n'oublie pas de guetter les pièces de ma vieille armure. Je la retaperai pour toi, et gratuitement. Quel est cet orbe que nous recherchons, mon frère? Je n'en sais rien. Parle-moi de la chienne du camp. Le seigneur Freyr l'a trouvée à moitié morte au milieu de la jungle. Sans doute échappée de l'élevage de Glossander au nord d'ici. Nous lui avons tous dit qu'elle ne survivrait pas, mais... il a refusé de l'abandonner. Elle a guéri. Et elle ne nous a plus jamais quittés. C'est une gentille fille. Oui, mais c'est un cochon ou un chien? Elle croit en la bonté des gens, même lorsqu'eux n'y croient plus. Alors. Allons-y. Bonne diff, ça. Malgré les années, elle reste splendide. Saisir un ennemi étourdi, confère une grâce de renouvellement. Ajoute une onde percutante à la fin du combo R1, pas mal. Ça, je l'utilise pas mal quand même, le poème pour bonheur, ouais. En soi. Ah, j'ai aussi de quoi améliorer, décidément. Toi, tu m'as toujours pas dit qui avait fait ces choses. Alors, j'ai du bois de pierre. Il faut que je vois s'il est utile ailleurs. Oh, c'est dommage ça. Qu'on puisse pas l'améliorer. J'hésite quand même à utiliser lui. Qui permet de charger les coups.
Ou améliorer lui. J'ai envie d'utiliser lui en fait. Allez, on change un peu. Prends bien soin de toi. Oups là, j'ai quitté, je voulais pas. On va voir ce qu'on peut faire. Crave des nouveaux trucs. Oh là là, level 5. Les attaques à main nue, les parades et blocages ont une chance d'infliger des dégâts supplémentaires et d'empoisonner les ennemis. Non, on t'a Zeus. Et attends, j'aimais bien mon truc là. Alors, j'ai 4 acier nain. On est où pour eux là? Ça, c'est pas de l'acier nain, donc aux F. Les attaques au corps à corps par tes ennemis empoisonnés infligent des dégâts, plus de dégâts. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que quand ils se corps à corps, genre la hache, ça marche ou pas? Le doute quand même. Et alors, protection de taille, nous on était sur celle-ci normalement. Voilà, et là il faut de la sienne aussi. Augmente les soins des pierres de guérison, de la rage et de l'équipement. Est-ce qu'on change et qu'on part sur le torse qui empoisonne pour changer un peu? Et pour être sur du niveau 5 aussi. Alors faut jouer à main nue quoi. C'est pas mal. Hein. Après dans l'immédiat on n'a pas ce qu'il faut pour l'améliorer ensuite. Alors que ça on a de quoi l'améliorer. Et là il faudra de l'acier nain. C'est tout dans de l'acier nain. Donc c'est facile à up. Là où ça... C'est une autre aventure. Je pense que je vais continuer avec mon plastron. Je suis en train d'hésiter. J'avoue que j'ai un peu envie d'utiliser ça. J'avoue. Ah mais je peux pas de toute façon. J'ai pas ce qu'il faut pour la crafter. Tout va bien. Tout va très très bien. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Je suis bon ou pas? Enfin tout va bien. Façon de parler. Mais... Donc l'amulette qu'on peut pas encore up. Un besoin spécial? Ok, alors les enchantements. Monte les dégâts au corps à corps infligés par Kratos contre des ennemis sous l'effet d'un état. Lorsqu'il a plus de 75% de santé. Résistance à l'aveuglement et à l'hébétement. Ouais, c'est pas des trucs qui me chauffent plus que ça, mais ok. Et pour Dame Freya? Ok. Oh bah ça y est, j'ai de quoi monter un des trucs sur les flèches. La première flèche runique, nanana. Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sonique inflige considérablement plus de dégâts d'étourdissement, c'est pas mal. Sinon j'ai celle-ci. L'un ou l'autre, en vrai, les deux sont intéressants. L'avantage c'est que ça, j'ai pas besoin d'aller au cac si jamais ça me déplaît. Donc ça peut être intéressant. Tu sais ce que tu veux? Vas-y. Ok. Maintenant, va pas te faire tuer, compris? Non, bah non, ce serait dommage. Et du coup... Mais j'ai l'impression que je peux pas lui mettre ses accessoires à la fille. Pas dans l'immédiat, en tout cas. J'ai combien d'XP? J'ai 7000. Donc je pourrais m'acheter des nouveaux trucs. Ok, c'est pas mal la frappe tranchante là. C'est pas mal du tout. R1, 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 puis R2. Ça aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai bien envie d'op ça. Vas-y. Ah, j'ai pas encore le palier pour le faire. L1 plus triangle est pas mal aussi. Hein. Vas-y. Vas-y. Ça, on avait fait. Ok. Ok.
Alors j'avoue que j'aimerais bien refaire un petit tour dans la forêt, sachant que on a raté un truc sur l'épisode d'avant. Alors déjà on a un artefact qu'on peut aller rechoper là, vu que c'était fermé. On pourrait refaire le trajet finalement. Alors ici il manque un corbeau. Voilà, c'est que j'y suis pas encore allée en fait. Donc là on pourrait se faire un peu d'explo. Hein. Ici ça me saoule de l'avoir raté ici. Voilà, je tiens. Et on peut aller par là, on n'est pas allé par là. J'avais hésité. C'est dommage que j'ai pas encore le truc ça là. J'avoue que j'aimerais bien l'avoir. J'avoue. Du coup, attendez, l'autre son type de flèche. Tu cherches quelque chose ? Nous pouvons sortir par où nous sommes arrivés. Voilà, c'est la même chose, il faut le truc ici, ok. Bah, écoute. Fini d'explorer, Kratos ? Non, j'ai pas fini. T'as cru, mais non. Je sais pas en quoi tu l'as aidé, mais je suis content que ça ait marché. J'ai encore du mal à te cerner, mais tant qu'elle pourra compter sur toi, tu pourras compter sur moi. Écoute, avec plaisir. Du coup, j'irais bien refaire un tout petit tour de là d'où on vient, là. Histoire de prendre ce qui avait pu nous manquer. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait et qui nécessitaient la magie, en fait, Sigilaire. Sigilaire. Pas de U. La magie, là. Alors, pour changer... Voilà, j'ai changé sa flèche, parfait. Alors, attendez, je suis en train de me demander. Ouais, non, ça marche pas. Ça aurait été fou. Flèche du haut, hein. Flèche du haut. Ici, bim bam. Alors ici, la zone où on est, il nous manque un artefact et deux coffres légendaires. Ok. Donc il y a l'endroit où il y avait la marque, c'est probablement un des trucs. Admettons. On va refaire le chemin à l'envers. Ah si on peut, est-ce qu'on peut? On va peut-être pas pouvoir en fait. Bah c'était bien, hein, j'espère que ça vous a plu ce retour. Est-ce qu'il y a ça là? Je pense que c'est voulu que ça nous bloque. Mais d'avis que... Ouais, je pense que c'est voulu. Bon, bah... Bah, go la suite de l'histoire, alors. De ce fait... En même temps, on n'était pas sorti par là, il me semble. J'ai un doute, on était sorti à gauche, là en haut à gauche. C'était quoi ce rire qu'il a fait? Je sais où nous pouvons trouver un point d'accès. Par ici. Dites, vous semblez bien vous entendre depuis la fin de votre mission. T'as vu? Vous espérez que cette alliance est là pour durer, finalement? On est potes. J'estime que nous avons un ennemi commun. Kratos. Tu refuses peut-être d'accepter la fatalité du Ragnarok, mais tu n'es pas assez naïf pour ignorer la menace d'Odin. Quoi qu'il arrive, notre meilleure chance de survivre est de nous allier. Tu es d'accord? Oui. Quant à l'offre de Brock, peux-tu concevoir de cohabiter avec un duo d'anciens ennemis? Tu ne seras plus tenté d'exercer ta vengeance? Pas contre toi. Ouh, 2105 XP. Aucun de vous deux. Je vous le promets. L'alliance avec Freya débloque de nouveaux équipements, un arbre de compétences unique. Utilisez ces flèches soniques et sigillaires pour aborder convoi énigme sous un nouvel angle. Alors attendez, Freya. Améliorer l'épée de Freya. Ah bah. Ok. Ok.
Alors attendez, son armure, ses accessoires, let's go. Je pense lui mettre des trucs comme ça là. Considérablement plus de dégâts, boum. Les ennemis tués d'une flèche infligent des dégâts considérables autour d'eux. Oups. Et donc je vais pas mettre la première flèche runique, je vais mettre ça. Ah là là, mais ça y est, elle est équipée. Oh, elle a d'autres petites tenues là. J'aime bien sa tenue de base, mais bon, on va changer pour histoire de changer quoi. Freya, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Provoquer des ronces qui saisissent un ennemi à terre et libère un nuage de présence. C'est pas mal, les ronces entraves, c'est cool. Les ronces, ça fait que les ennemis plus longtemps. Allez hop, on met ces deux là. Et là, on va dire non, en fait, je voulais ça. Jason défait des explosions soniques. Nanana. Prend la forme d'une Valkyrie pour lacérer les ennemis. C'est pas mal, hein. Let's go, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire let's go. Ok. Mais pour l'instant, elle a que l'invocation comme ça. Et c'est pour ça que je pouvais pas la refaire, le truc de faire du poison. C'est parce qu'en fait, c'est un truc avec un cooldown. All good. Alors l'épée, ça aurait été bien de l'améliorer quand même. Éventuellement. Retournez chez Sindri quand vous serez prêt. Ah bah de toute façon, du coup, on va aller à un endroit où on peut faire les améliorations. Sindri, là, en atelier, tout va bien. Là, viens. Viens, là. Merci bien. On est où, là? Là, on a tout. Vous avez vu, ils ont tout bloqué, hein. En mode, vas-y, non. Tu vas pas par là. T'as cru quoi? Cette serrure n'est pas comme les autres. Oh, si tu veux l'ouvrir, il faut enchanter ton burin. Mais let's go! Depuis le temps qu'on veut faire ça. Bruna. C'est votre damn time. Grave la lettre. Suna. C'est une incantation. Sou. Les elfes du camp de Freyr ont mentionné une porte similaire à Alfheim, ainsi qu'un sanctuaire sacré des elfes blancs au-delà des terres brûlées. Nous partons pour Alfheim. Eh bien, nous en déciderons au point d'accès. Ce bateau nous y emmènera si nous réussissons à éliminer ces ronces. Tu te rappelles quoi faire? Explorer le sanctuaire elfique. Et il y a l'autre aussi qui voulait que j'y trouve son... Là. L'orbe machin. C'est par où? C'est par là, tout va bien. Oh! Genre. Mes flèches sigillaires devraient nous débarrasser de ces ronces. Mais en fait, pourquoi? Ah oui, d'accord, j'ai pas accès. Si, si. C'est pas genre. Trop bien. Un tronc est tombé dans l'eau. Il y a quelque chose dessus qui m'est inconnu. La voie est... Franchement, je suis à quoi? 16 heures de jeu, un truc comme alors, ça? C'est vrai. Ça continue de se renouveler, hein. Tyr est en vie. Eh bien, il tient plus de l'épave que du dieu. Il dort au fond d'un placard. Il se remet. Comment l'avez-vous trouvé? En gros, grâce à Atreus qui est parvenu à accéder aux prophéties que les géants réservaient à leur espèce. Nous ne l'avons appris nous-mêmes qu'après la visite de Thor et Odin. Chez vous? La maison est-elle encore debout? À peine. Mais ce déferlement de violence n'était qu'une distraction pour permettre à Odin de s'entretenir avec Atreus. Ton fils s'est retrouvé seul avec Odin? Sais-tu de quoi ils ont parlé? Oui. Odin l'aurait invité à Asgard pour l'aider à trouver ses réponses. Réponses pour lesquelles il se rue vers le destin.
C'est troublant. En effet. Vous pensez qu'il y a des endroits où j'aurais pu m'arrêter là? Je suis en train de me demander. Genre là, regardez. Est-ce que ça, on aurait dit une plage? Ah non. non. Pas trop. Hein. Trop bien, les décors sont fous. En vrai, aujourd'hui, on aura fait la jungle, quoi. Si vous êtes prêt à lui parler, l'accès mystique se trouve devant. Sinon, vous pouvez m'aider à régler quelques affaires le long de la rivière. Ou nous pouvons aller voir ce sanctuaire elfique dans le désert d'Alfheim. Ouais, moi, je veux tout faire, en fait. En vrai, j'ai très envie de faire les annexes. Si nous voulons continuer à explorer la rivière. Ouais. J'ai envie de faire les annexes plutôt que la suite de l'histoire. J'avoue. Là... C'est ce qui me plaît. Le cimier de Skirnir. Pas aussi brillant qu'il le pensait. Bien. Nous pouvons explorer la rivière et réparer de vieux torts avec un peu de chance. Tor ? C'est devenu mon Atreus, la fille, là. Regardez, il y a ça, là. Du coup, c'est comme ça qu'on peut revenir sur les zones, en fait. Quelles affaires veux-tu régler? J'ai oublié quelque chose, près des chutes. Ton lieu de mariage? Pourquoi voudrais-tu retourner là-bas? Pour me défaire des liens de mon mariage. Et d'Asgard. Tu as rompu ces liens il y a bien longtemps. Pas complètement. Pas assez. Guide-nous. Le plus près, c'est l'autre. Donc on fait l'autre d'abord. Il y a plein de vie. Oh, ce match là, il n'y a pas un mode photo. Ah mais ça spoil, je peux pas le tweeter. Ça spoil de fou. J'avais pas capté. Non. Les miens peuplaient jadis les abords de cette rivière. Ils sortiront ensuite elle sans doute sur PC. Des milliers de pèlerins en route vers le grand temple. Jusqu'à ce que les As arrivent. Et voilà ce qu'il en reste. Ah ouais, il y en a qui arrivent à désactiver avec la boussole. Bon après, tu sais, je fais avec les le jardin d'Astrid. Les cinématiques, mais OK. Il était superbe autrefois. Merci pour l'info en tout cas. C'est un méchant ça quand même. Il était sorti un an après, non, sur... Genre, c'est ça, maintenant. Sur PC. Accès un peu à toutes nos compétences là, hein, c'est bien.
l'écosystème. Il est rompu. Mais du coup, oui, il paraît que... Donc, je le dis quand même pour les gens qui regardent et qui voudraient, eux, sur leur partie, le faire. Donc, semblerait que vous pouvez désactiver la boussole. J'ai voulu le faire hier, mais j'avais pas trouvé. Mais au final, en vrai, je m'occupe avec les cinématiques, it's ok. C'est pas grave. Et, Regarde, la porte est maintenue par un contrepoids. Oh, ça y est. Mais elle est backseateuse, elle aussi. Tu es backseateuse. Amazing. JPP. Toujours le backseat, le backseat. Ça amène jusqu'où la truc là? Jusque là? Elle me tue. Regarde, la porte est maintenue par un gros propre. Mais tais-toi en fait. Tout n'est que désolation. Un sort approprié. Astrid. Non. Quoi, Astrid? Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. Ça met des petits coups de pression quand j'ouvre des portes comme ça. Une pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. Bel ouvrage. Pourquoi la laisser? Tu te méfies d'elle, mon frère? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Hein? Peut-être. Là, pardon. Du coup là faut que je vois parce que il faudrait éclater ça. Ah il y a là, regardez. J'avais pas vu. Faire le tour. Regarde. Là-bas. Brise cette chaîne. Oui, oui, oui. Laisse-moi tranquille. Est-ce que vous pensez que j'arrive jusque-là? Pas ouf. Bah alors. Pas assez loin. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Je vais le faire de l'autre côté. Ah, oh, c'était pas mal ça. Je vais voir comment ça rend de l'autre côté. Est-ce que ça rend bien? Ah, ça rend pas mal, hein. Là, si ça crame pas, c'est qu'elle se fout de moi. Mais j'ai bien compris qu'elle se moquait de moi. Ah, elle me ment, en fait.
Non, elle était pas au courant. On va le voir. Là, elles sont bien liées, c'est bien. Sauf qu'il faut que le troisième... Ah, pas ouf, hein. À savoir qu'il y a un truc là-haut, hein. Ça se trouve, je peux passer. Mais bon. Ah, oh, bah ça a le coup. Regardez. Carte au trésor. Nom de Zeus. Montre-moi cette carte au trésor. Une sorte de chute d'eau. C'est énervé. Putain, ils sont bien liés là, c'est parfait. Ça, ça fait trop long en fait. Go faire le reste et continuer après. Oh, vous avez vu là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est intriguant, hein. Et pourquoi je voudrais... Oh! Rien ne serait poussé sur une terre brûlée. Mais tellement de choses! J'aimerais aller lui parler. Ouais, t'aimerais lui parler, mais... La vie renaît dans le jardin. Tant mieux. Hello. Esprit. Freya, vous êtes revenue. Astrid. Salut. Que t'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé Astrid, à ton jardin? Astrid. Les Eneriars. L'œuvre de ma vie anéantie. Voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée. C'est honteux, Astrid. Tu ne me dois aucune excuse, ma fille. Non, c'est honteux. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Putrescence. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Let's go. Ça me va. Pourquoi? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme le sera aussi. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin d'Astrid. Ah, pas comme ça. Oh, regardez! Et ça, on dirait un truc un peu... Alors ensuite il y a ça, là il y a ça. Le cimier de la famille de Ehnir. Pauvre homme. Oh, c'est blindé en exploit ici, trop bien. Je suis contente. Alors on va en faire un petit peu. Et puis bah demain on continuera ça, du coup ce sera bien, on prendra sur de l'exploit. Vois-tu quoi. S'il y a un moyen d'entrer depuis ta position? Qu'as-tu appris, mon frère? Ouais, c'est précis. Je sais que je peux descendre, mais... Oh, Lucadis.
Et là-bas aussi, non? Le jardin souffre toujours. Là, ça fait loin. Il doit rester du poison quelque part. Moi, je pensais qu'elle voulait que je rentre là. Ça n'a rien à voir. J'aime bien, hein. On a vraiment changé d'univers visuel. C'est cool. Bonjour. Du coup, ouais, pour mon screen, il faudrait que j'arrive à faire un screen où on n'a pas Freya. Enfin, après, comme ça, ça passe. Je vais tester le truc de la boussole, en vrai. Ça me titille. ça doit être... Attends. Oh, c'est stylé d'avoir intégré directement. Personnalisation de la TH. Ok. Et du coup, de là, donc je fais ça. Confirmer. Et là. Oh. Mazette. Ah, c'est moi qui choisis quand je l'enlève. Oh. Juste en glissant sur la manette. Oh là là, merci beaucoup d'ailleurs, hein, le cap la soie. Tu sais, je t'en mode, vas-y, non, c'est bon. Je vais faire ça. Mais depuis que tu m'as dit ça, je me suis dit, ah, c'est dommage, quoi. Ah, quand même, hein. Truc de ouf, hein. Très très bien. Ah, c'est pas mal. Hein. Non, là non, Sam, ce soir je prends ma soirée. Mon chéri. Donc. C'est quand toi, précisément, que tu arrêtes New World. Peut-être pourrais-tu la voir depuis un autre angle. Quand mon jardin s'épanouira, mon âme. Quand je dis qu'il arrête les gens, c'est parce qu'il va, jouer à... Il va jouer à WoW. Ah mais là, je peux le défaire, Brandon. Excuse-moi, mais... Oh, wow. C'est terminé. Retournons auprès d'Astrid. Tu vas être contente, Astrid. La Terre, elle vit à nouveau. T'as vu ? Je le sens. Oui, ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous ? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Mercredi prochain, et après c'est plus ou moins 28. Ok, ok. Et du coup, tu vas te reposer. Ça marche. Repousse-toi bien. Le jardin mourra à nouveau. Toutes les choses meurent un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. En vrai, pour New World, faut que je vois entre vendredi et... Entre vendredi et samedi, ce sera le soir en tout cas. C'est sûr. Après. Parce que là, je suis bien placée. Difficile de savoir. Mais je pense qu'en étant là-bas, ce sera beaucoup mieux. Hein. Sinon,
Ah, ça devrait marcher, ça, quand même. Genre, c'est pas assez proche, ce que j'ai fait, là. Non, mais... Stop. Bon, hein, ça marche pas bien. Hein. Bon, d'ailleurs, ce sont pas comme ça parce que c'est trop. Et là, ces flèches veulent pas passer. Regarde, là-bas. Oui, non, mais j'ai vu, Véronique. Après, ce que je peux faire, c'est de le faire venir jusque-là, mais ça me paraît un peu chaud. Ah, quoique, si je fais juste comme ça. Puis comme ça. Je sais pas pourquoi j'essaie de le faire passer par l'extérieur en vrai. Maintenant que j'y pense. Mes flèches sigillaires n'auront aucun effet. Ah bah voilà. Fallait pas passer par l'extérieur, fallait passer par la petite fenêtre. Bah c'est bon, tais-toi la Baxite. Ça me fait rire, il y a tellement de gens qui ont posté là-dessus. La porte est ouverte. On peut faire demi-tour et entrer. Si jamais j'avais pas capté. Hier, il y a quelqu'un qui m'arrête sur New World. Il était tard et tout. Et il venait de God of War. Il me dit, ah, par contre, le backseat des persos. Je dis, ah, lol. On avait passé la journée à dire ça. Et après, je vois quoi tout à l'heure sur Twitter, AlphaCast, qui dit, si Atreus m'indique encore ce qu'il faut faire, je vais péter un câble. Et il y avait Terracide qui avait commenté en mode... En vrai, ce serait au bout de 10 minutes, je dis pas. Mais le truc, c'est qu'il backseat au bout de 3 secondes. C'est exactement ça. Alors, la personne qui m'a raid hier m'a dit qu'il avait réussi à diminuer l'aide. Pareil, je sais pas comment, mais... Bon, moi, je pense que c'est pas mal ce coin-là, là. 1 sur 1, 3 sur 3, 1 sur 1. Let's go. De quoi, de quoi? Non, non, mais on a fini. Attends, c'était quoi du coup? Voilà. Va aller, Kratos. Très bien, bon, la suite. La question c'est on est d'où? Comme ça, ok. Non, mais on est de l'autre côté. Quasi sûr. Je suis arrêté sur la gauche. Ouais, voilà. J'aime bien ces phases comme ça, l'exploration. Oh ! Un corbeau, que quelqu'un fasse quelque chose. Mais comment veux-tu que je me le fasse ? Faut que je sois en haut. Oh, regardez là. Oh ! Oh, la zone est ouf. Let's go! Oh, il y a même un atelier! Oh bah, je pense que c'est par cette zone-là qu'on va finir, ça sera pas mal. En même temps qu'on enregistre là, une heure, ouais, de fou. Hé, mais c'est des bouts de mon armure! Je la remettrai à neuf pour toi! Mais du coup, elle est tout le temps là, elle! Mais avant, j'aimerais que tu retrouves mon orbe, vu que je fais ça gratuitement et tout. Hé, c'est pas la voix de Tiny Tina? Merci à Amigato! La naine, là, c'est la voix de Tiny Tina. Eh, comme ça.
C'est bon. Le corbeau. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. J'ai dit merci Miguito. Je le redis en tout cas. Merci Miguito pour ton prime. Merci beaucoup. Je peux te faire de nouveaux trucs. Je crois que tu vas en avoir besoin. Je me perds dans ce que je dis, ce que je dis pas. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Je l'ai dit. Ça va les calmer un peu. Merde, j'aurais pu mettre ça aussi. Mais en vrai, ça c'est mieux. Attends, attends, deux secondes. Je crois qu'il y avait autre chose. Waouh. Oh waouh. Le balèze. T'as commencé ton aventure, Nito, sur le jeu? Il me semble que tu voulais le faire. Enfin, de toute façon, t'es comme moi, tu fais tous ces trucs-là. Oh, première ration de la lunette. Oh, j'ai juste pas assez de thunes pour améliorer ça. On va le faire. Des cimiers de famille, j'en veux bien. On s'est retardé. Il est vraiment trop bien. Tu vas voir. Eh ben, quand tu veux. Un plaisir. Maintenant, passons à la déesse. En vrai, je peux toujours le faire. Hop, ça. Avec plaisir. Les deux, je peux les améliorer. Mais bon. Alors, rose de bête, j'ai pas assez. Hein. Tu as fait ton choix. Tu parles beaucoup, non? Ok. On taille la route ou bien le bout de gras? Moi, je veux qu'elle reparle, elle, derrière. Je suis quasi sûre que c'est la voix Tiny Tina. Là, j'ai le bouge de 1. Alors, ça vient, cette orbe ? J'aime bien la vie des ennemis indiqués là. Je dois remettre que la vie des ennemis est tout le temps indiquée. Parce que sinon c'est chiant. Changer les options parce que bon oui mais il y a un petit mail il y a immersion et masque en fait
Mais dommage qu'on puisse pas aller plus dans le détail. Parce que ce qui m'embête, c'est qu'on voit pas la vie des ennemis. Après, bon, on me dirait qu'il suffit que je fasse ça. Mais... on verra si. Ah, encore quelqu'un qui a besoin d'aide. Qui est-il ? I'm here for you. Je suis morte. Ah bon ? Et vous allez m'aider. Bien sûr, non. Gunhild. Mais que pouvons-nous faire ? Lorsque les Eneriar ont attaqué, il nous fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie celse. Vous étiez désespérée, je le comprends, mais... ouais, il y a beaucoup de réglages, ouais. C'était stupide. Assurément. C'était stupide, Kayadi. J'ai été tuée avant que mon esprit ne soit c'était corrompu. Bête. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie Seis serait terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyre. Offrons-leur le repos éternel. Vas-y, partons par là. Tiens, il y a des corbeaux à trouver, on a dit. Hein. Mais pas ici, par exemple. Pas ici. Dégueu. Un peu dégueu. Encore une vieille pièce d'armure de Lunda. Tu posséderas bientôt l'ensemble complet. Oh, j'ai envie d'utiliser ça, mais bon. Il y a certainement des séistres plus loin. Nous devrons trouver un autre chemin. Là, regardez. Oh, et là. Ah, je pensais que ça allait casser. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Pas pris lui. Je me demande comment grimper là-haut. Mais on ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Calmez-vous. Je cherchais le coffre d'abord. Tu penses qu'on peut brûler les ronces ? Oui, on avait compris. On avait compris. Pas la peine de l'expliquer. On a le droit de regarder le décor ou pas ? Je te jure. Je crois bien que ça a marché. Encore. Bande de backseater. Bon, je vais prendre la tyrolienne et je vais revenir. Parce que j'ai envie de prendre la tyrolienne. C'est une envie... Ça m'a bien plu. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, où est mon corbeau de tout à l'heure? On le voit pas d'ici, il est trop loin. Attention, dans les airs.
Tais-toi. Si tu me donnes un indice, je te frappe. Genre vraiment. Bien joué. Ça m'envoie mal par contre. Est-ce que j'avais fait le bon move, je sais pas. Elle est intenable. Qui est le pire entre elles? Les armes de mes amis sont toutes. Atreus et Mimir. Je pense qu'elle est la pire. Alors, quelle est la pire? Elle a pas mis de faire demi-tour et de rentrer dans la porte, quoi. Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Oh, dis-moi que tu vas pouvoir faire ça. Ah oui, on peut. Bien sûr qu'on peut. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Let's go. X. Megan. Non, X. Non, X. Oh, wow. On a carrément un accès. Le mariage devrait être accessible. Ah ouais. On a plein de quêtes en plus là-bas. Mais on va garder du coup. On va finir le tour où je suis. Et comme ça, hop. Ah! Excusez-moi. Je vais voir quelque chose. Ah ouais, je vais pouvoir le faire de là du coup. Hop! Oh mais de fou, ils arrêtent pas de backseat, c'est un enfer. Après c'est... En vrai j'en rigole, tu vois, mais parce que ça va, mais c'est un peu amusant, quoi. Tu sais ça, toi? À demain? Je streamerai plutôt demain, je streamerai la journée. On va continuer de longer la rivière, on va garder le truc d'aller sur le côté pour après, je pense. Ah bah c'est là la cascade avec le trésor, je pense. On n'a pas moyen de s'arrêter là sur la droite? Pas du tout. Je pense qu'on y reviendra par l'intérieur, en fait, c'est ça le délire. À mon avis. On va se garder ça pour demain. Comme ça, là, je finis ce tour-là. Je m'en lasse pas, hein, du décor. Trop beau. Freya, ton frère a dit quelque chose. Les As l'ont brûlé. Oui. Nous n'étions pas encore en guerre, mais les relations entre les Vannes et les As était déjà hostile. Tu m'étonnes. Freyr s'était persuadé qu'il pourrait améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Des techniques vannes pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple tout entier. Pour le remercier, ils lui ont mis le feu. C'est vrai. Les As étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des vannes. Quand les choses ont mal tourné, ils s'en sont pris à leur maître. Alors Freyr était un hôte, quand... Oh, mais il y a un trou, là. Ça l'a brûlé. Pas exactement. Cela ne gênait pas Odin d'enfermer Freyr. Il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des As de rang inférieur, amers, irréfléchis, qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable. Il a survécu... C'est trop. Et a même profité de l'occasion pour s'enfuir.
Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait sa colère. On peut s'arrêter ? Non, parce que bon... raconte sa vie, mais... Allez, on va accoster ici. On va faire les deux côtés d'ici, c'est pas mal. Il y a un caillou. Changement de flèche. Voilà. Moi aussi j'ai ça. Attends, c'est fini? Non, ok. Il y a des bruits bizarres. C'est une vertu. Il y a des bruits bizarres. Oh boy, boy, boy. C'est à l'autre. Beau travail. Pas sûr de vouloir aller vers l'endroit où ça fait. Le chant d'une Noken. Prudent. Noken soigne ses alliés. Alors ouais, mais je l'avais défoncé normalement, mais c'est bizarre. Prends en garde ! Derrière toi ! Le coup de la fiche différent, et je vais le renlever parce que c'est bien, mais en fait ce que je ferais c'est que je le changerais au moment où j'ai envie de le faire quoi. Voilà. Il faudra l'abaisser. Quelque chose est suspendu dans l'arbre au-dessus de nous. Oh mais j'ai pas besoin de faire ça en fait, j'ai juste besoin de faire comme ça. De le faire à côté de moi quoi. Ok. Ça pourrait servir. Je pense qu'il fallait l'allumer avant.
Ils ok. Moi qui perds mes affaires pendant ce temps-là. J'ai une bonne barre de vie maintenant. Pas à dire. Oh, là-bas, j'avais pas vu. Oh, c'est beau. C'est plutôt beau. Je crois bien que ça a marché. J'ai bien aimé. J'avoue. Si j'avais donné des noms aux épisodes... Eh bien, ça a marché. J'aurais dit... épisode élémentaire. Une poignée, d'accord. Obtenir un regain de santé à chaque coup aussi avec la compétence piège du serpent. Oh. J'ai perdu la connexion au chat. Pas qu'on oublie qu'il manque un corbeau sur l'autre zone. Oh, parfait. Un autre corbeau a rejoint l'arbre des morts. Peut-être devrions-nous nous y rendre, non? Totalement. Là, on a ce qu'il faut pour... Pas mal ce shield. Ça va exploser. Attention. Il m'a bien plu. Par contre, là, j'ai pas tout. Hein. Loin de là. Tac, tac. Il y avait un autre côté dans le... C'était l'autre côté. Par là. Je vais faire l'intérieur là-bas. Et je pense que ce sera pas mal. Mimir, je ne t'ai jamais demandé quel effet ça faisait de perdre sa tête. Que veux-tu que je te dise? Que ça picote? Simple curiosité. Si tu souhaites tirer une quelconque satisfaction de ma souffrance, je crains que tu ne sois déçu. Kratos a frappé fort et juste, pas vrai mon frère? Je n'ai presque rien senti. Dommage. Ah voilà, je vais aller là. Ce cimier appartenait à Odin. Un cadeau de paix, mon peuple. Un gâchis. Oh, elle a pris cher. Oh, un sort. Oh, mais on est revenu de ce côté. No way. Je pensais pas. Ah, du coup, en vrai, pas mal pour s'arrêter si on peut le TP avec la... l'armure. Défoncé. Ah oui, bah c'est de là dont on vient, je mette. Ok.
Voilà, voilà. C'est ça que je voulais faire. Je trouve ça marrant. Tac. Il y avait deux embouchures à l'endroit où je me suis arrêtée. En vrai, on ira chercher l'armure la prochaine fois, je pense. C'est pas dramatique. Puis c'est bien, ça fera un truc sympa à faire dès le début. Ce sera très bien. Quand je dis prochaine fois, c'est demain. By the way. Tu sais, je t'aurais battu. Quoi ? Alors, si Atreus n'avait pas été là. Peut-être. Nous pourrions recommencer, histoire de nous en assurer. Je ne préfère pas. On peut faire tout le tour de ça, mais après on peut en vrai partir par là et tout. J'en étais sûre. Trop de possibilités d'explo là. Mais c'est bien, hein. Attention. Quand je dis trop, c'est... une façon de parler. C'est genre, c'est ouf, quoi. On est allé là ou pas ? Ah oui, là, il y a re le pont. Et là, c'est l'endroit où on a fait les... Ok. Donc c'est bon, on a fait le tour. Donc il restera à aller comme ça, là. Regardez. Par ici. Et puis il y a quand même tout ce qui est en bas aussi. Mais comme ça, on a fait la boucle juste là. C'est parfait. Je nous arrête devant le forgeron, comme ça on ira tout de suite chercher notre morceau d'armure en début d'épisode. Et ensuite, on continuera l'explo. Et ensuite, on repartira sur l'histoire principale, bien entendu. A savoir qu'en explo, j'ai 2-3 autres zones à aller vérifier aussi. Puisqu'il y a 2 endroits où il y avait des portes comme ça que j'ai pas pu faire avant. Que maintenant je peux faire. Ah oui, il y a par là aussi, je suis pas allée. Faut qu'on aille ici. On commencera par là du coup. Faut que j'y pense. Faut que j'arrive. Ça me fait bien plaisir de retaper ma vieille armure pour toi. Mais tu l'as retrouvé mon orbe ou pas? Prêt? Alors, tu as fait ton choix. Je regarde. Ah, c'est celle-ci. Ok, les attaques au corps à corps pour tes ennemis empoisonnés affichent plus de dégâts. Ah oui, c'est toujours la même. Never mind. Quelqu'un doit les conserver. Même si ce n'est pas les vannes. Alors, comment vous êtes-vous connu? Je peux pas te parler des affaires de la guilde. Le respect de la secrétude, tout ça. Pardon? Disons simplement que Brock et moi-même avons longtemps eu des intérêts communs. C'est ça, comme me mettre dans le pétrin. Et ensuite, t'en ressortir. Quoi? Oh, ce n'est que partiellement vrai. Est-ce que ça répond à ta question? Disons, plus ou moins. Hop. Au top. Et ben on s'arrêtera ici. Et on reprend cette aventure demain. J'ai très très hâte du coup. De la suite de l'explo là. Trop bien. Il y a le cochien qui dort là au fond.